Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur Oxygen Not Included et on a plein de choses à faire. Tout d'abord, notre 4 points. Notre ferme n'est pas fonctionnelle, il va falloir trouver une solution. On n'a pas assez d'oxygène, on n'a plus de charbon ou pas assez, ou on met trop longtemps pour le ramener. Quoi qu'il en soit, c'est compliqué, même avec du charbon, ça ne tombe pas comme il faut. Et on fait de l'eau, ça marche, c'est super, mais on n'en fait pas assez. On en fait assez pour nous. Mais on n'en fait pas assez pour améliorer la base. C'est-à-dire qu'en gros, on ne doit pas améliorer la base. On ne peut pas faire de nouvelles fermes. On ne peut rien faire d'autre qui marche à l'eau. Tant que, par exemple, qui marche à l'eau, tout simplement, avoir plus de colons. Puisque plus de colons, plus de nourriture. Et notre principale consommation d'eau, c'est la nourriture. Donc il nous faut plus d'eau, plus d'oxygène, une source d'énergie et trouver une solution pour notre ferme. On va commencer par la ferme. Elle a froid. Si je mets des chauffages dans la ferme, c'est comme chauffer avec les volets et les fenêtres ouvertes. Je vais gagner 1 ou 2 degrés et demi, puis après c'est fini, parce que toute la chaleur en surplus va partir dans la nature et je n'arriverai plus à chauffer. Je vais chauffer, mais ça ne chauffera plus, ça restera à la même température et c'est le reste de la map qui va se réchauffer petit à petit en 9999 cycles, finir par gagner un demi degré. Le problème, il est que je dois faire plus chaud dans ma ferme. Or, j'ai plus d'énergie de toute façon, ou pas assez, donc je ne peux pas utiliser d'énergie. La solution, elle est évidente. J'isole soit la base, soit la ferme. Je vais donc isoler juste la ferme parce que je ne suis pas prêt à isoler la base parce que le temps que je fasse le tour là avec mes isolants, eh ben, on sera tous morts de manque d'énergie, de froid, de faim, de soif et tout ça. Donc c'est parti, on isole. Pour l'instant, je l'ai mis à 5. Je vais changer, je vais mettre à 6. Hop là. Moi, je sais pas si je vais faire là. Quoique, ça me coûte rien de plus de le faire. Par contre, ça va être pénible à faire. On va démolir le lit. Et on va le remettre ailleurs. Mobilier, lit. Je pense par exemple à. Oui, bah n'importe où. Allez hop. Ensuite, les lampes. Les lampes, pas les lampes. Pour une fois, on fait des échelles, mais c'est pas pour des lampes. Ici, un, hop, 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 ça devrait suffire. Deuxième chose, on a besoin d'oxygène. Je vais supprimer celui-ci d'ailleurs, d'oxygène en parlant. Démolir, câble électrique. On a besoin de plus d'oxygène. Donc, pour faire plus d'oxygène, excusez-moi, j'ai oublié que je voulais tout mettre en 6. Sinon, ça se fera vraiment jamais. Et les échelles, ça va aller en 9. Les destructions ici aussi en 9. L'oxygène. Eh ben, pour avoir plus d'oxygène, il y a une solution qui consiste à automatiser l'oxygène. On en avait parlé. J'avais dit que c'était possible. Eh ben, on va le faire sans aucun souci. C'est vraiment extrêmement facile, peu coûteux, c'est rapide. Un petit bac ici, de l'oxygène ici, des câbles. Ici aussi. Voilà. Ici, on va demander des algues. Et on va en faire une priorité, tout simplement parce que si on n'en fait pas une priorité de 9, eh ben on n'aura pas d'algues. Hop là, démolir. Là, il y a de l'algue qui est arrivée. On va copier le paramètre ici. Vous voyez, ça clignote, hein. Bah, c'est tout simple, hein. De temps en temps on produit assez d'énergie, puis de temps en temps on n'en produit pas assez. Donc on a réglé notre problème d'oxygène, notre problème de ferme. Sauf qu'en fait on n'a pas réglé le problème de ferme. Brochette, voilà ce que je veux. Hop là. Et une fois qu'elle aura fait une brochette, eh ben, on pourra faire tout le setting de brochette. Et je vais vous expliquer pourquoi je veux qu'elle fasse une brochette. D'ailleurs, toi aussi, on va attaquer.
Est-ce que c'est une brochette qu'elle est en train de faire? Pas vraiment. Là, elle est en train de faire une brochette, à mon avis. Ici, vous avez de la viande que je vais désactiver. 3200 calories font moins un de morale. Mais alors, elle me l'a fait ma brochette ou pas? Alors, je me demande si elle a fait la brochette ou pas. Non, elle n'a pas fait de brochette. On a de la viande ou pas dedans? On a de la viande, on n'en a pas assez. Si, ça y est, maintenant on a assez. D'ailleurs, vous voyez, il y a des germes. Bon, on va devoir attendre un peu plus. Ah, si, il y en a une faite. Il y en a au moins une qui a été faite. Ah, yeah. Et dans le frigo aussi. Et donc, la nourriture, la viande, ça y est, elle a pas réussi, vous voyez. C'est d'ailleurs toujours pas encore mis bien comme il faut, voilà. La nourriture, vous voyez comme c'est rouge, tout simplement parce que cette nourriture donnera plus suite de morale à Devon s'il la mange. Plus suite de morale. D'accord, c'est disponible. Et là, moins un de morale, voyez. Et une brochette, ça se fait pourtant simplement avec 3200 calories de viande et de l'eau. Je sais pas où ça se marque. Non, c'est de l'eau. Il y a un petit peu d'eau. Alors, deuxième problème. Donc la ferme, c'est en train d'être fait. L'oxygène, c'est fait. Non, pas là, parce qu'il n'est pas visiblement alimenté en énergie, lui. Ce qui est dommage. Et là, par contre, j'ai dû le laisser à un mauvais niveau. Voilà, je l'ai laissé à 6. Parfait, donc là maintenant, c'est alimenté en algues tant que ça peut. Et là, ça sera collecté et installé. Et l'oxygène va se produire tout seul. Vous voyez, hop, hop. Vous voyez, il a pris les algues, hop, il a chargé. Très bien. Passons à la suite, l'eau. L'eau, c'est très simple. Je vais doubler ça et isoler ça. Alors, je sais bien que ça serait super que la chaleur aille dans la base, mais on veut de l'eau. La chaleur, on peut presque s'en passer. Mais l'eau, on ne peut pas s'en passer. Donc, je vais isoler là. Alors là, c'est, j'ai un intérêt à isoler parce que je pense... Je ne sais pas si j'ai besoin d'isoler ici. Parce que quand même, là, il est censé faire chaud dans cette pièce. Par habitude, je vais l'isoler tout simplement parce que si jamais on trouve un endroit ensuite, une solution pour chauffer cette pièce, où il y a même moyen de chauffer encore plus cette eau, par exemple en mettant quand on aura beaucoup d'énergie, des trépidiseurs, c'est-à-dire des chauffeurs d'eau, qui vont faire quasiment presque bouillir l'eau. Voilà. Donc, et dans ce cas-là, évidemment, la glace fondrait d'autant plus vite. Donc, je vais vraiment isoler la pièce complètement. Pour isoler la pièce complètement, il va falloir, au passage, bien entendu, que je... qu'est-ce que je vais faire là? Est-ce que je vais faire ça? Oui, je vais faire ça. Hop. Et ensuite, je vais faire ça. Et on va casser tout ce qu'il y a au-dessus. Voilà. Et ici, bien entendu, on va mettre quelque chose. Du granit, très bien. 9. Alors là, par contre, je voulais pas faire ça. Je voulais pas le faire à 9, mais bon. C'est trop tard, c'est lancé. Et puis, bah, petit à petit, bon, on va creuser ça, élargir ça et faire la même chose. Mais alors, tout doucement, parce qu'on a vu que ça nous a pris des dizaines, des milliards de temps d'épisodes pour faire celui-ci. Ça nous prendra encore plus de temps pour faire ça, parce qu'il faudrait chercher les ressources encore plus loin.
Donc on va y aller mollo. Bah là au moins ils ont fait du propre. Les équipements ici. Ici, là. Là-haut. On va démonter ça parce qu'on a l'intention de l'agrandir, bien sûr. Hop, on va récupérer tout ce qui est là. Tout ce qui est là. On commence avec ce qui est là. Là, bien entendu, on va détruire tout ça. Et on va récolter tout ce qui est là. Là, ça a été construit. C'est super. On va donc faire ça là. Parfait, parfait, parfait. Et donc, bah là, on y va. Hop là. Non, je peux pas faire ça comme ça, moi. Non, je peux pas. Non, je ne peux pas. C'est trop dur. Trop dur de faire ça. Tout simplement parce qu'il faut d'abord tirer mon câble ici. Voilà, jusqu'au bout. C'est la priorité. La dalle ici, comme ça. Alors ensuite on va devoir s'occuper donc la ferme ça va se faire petit à petit là évidemment on a mis plein de trucs à 9 en bas donc ça va pas y aller tout de suite. Il y en a qui bossent ici. L'oxygène vous voyez ça marche. Il n'y a aucun souci. Surtout que le ravitaillement de l'oxygène il est fait à 9 donc il sera toujours fait hein, quelles que soient les bêtises que je dis. Là. On va mettre ça. Et là, on va mettre ça. Ah, on peut pas faire là-haut. Alors, je ne vais pas isoler ici. Si, si, ça sera une échelle. J'adore le convoyeur qui bosse là-haut. Alors là, l'isolation se fait doucement. Tout ce que j'essaye de le faire sans dépenser plus d'énergie. À part bah, la création d'oxygène, là, il nous en fallait plus. On était trop léger. Il faudra aussi lutter contre le gaz. Mais a priori, ça marche. Voilà, simplement, ils sont complètement au mauvais endroit, en fait. Hein. Ils sont complètement au mauvais endroit parce qu'il n'y a que là et là que l'échange d'air pollué et de dioxyde peut se faire. Allez! Alors ça c'est super, je les adore. Agriculture, construction, cuisine, non. Apprentissage, bricolage, non. Est-ce que là c'est vide ça? Oui, tout ça c'est vide. Donc on va cocher ça. Et hop, ça a débloqué. Alors évidemment, ça ne se bloquera plus après, puisqu'il aura que ça à faire, lui. Hein.
que ça. Rien d'autre à faire de sa vie. C'est donc vraiment provisoire. Ça, on va le creuser tout de suite, tant qu'à faire, puisqu'on a une échelle. Voilà, on va pouvoir finir notre isolation. Ouais, comme ça, il peut se débarrasser de plus de roches d'un coup. Mais là, on a une petite ressource qu'il faut aller balayer. Ce qui arrête bien entendu la totalité du courant dans le haut de la base. Alors j'ai hâte de faire ça quand même. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on va bientôt. Si on veut mettre du chauffage, on sera à plus de 2000 là sur un seul circuit. Alors plus de 2000, ça paraît aberrant vu que de toute façon, on peut produire que 1800. Donc, faut pas s'étonner non plus qu'après il y a des coupures. Donc voilà pour l'eau. On a fait les préparatifs visant à aller à étendre notre station d'eau. Pour autant, on ne l'a pas étendue. On a commencé à l'isoler. Et mine de rien, ça va déjà faire quelque chose. Ça va déjà enfermer un petit peu la chaleur. Mon idée, c'est de pas forcément finaliser ça tout de suite, mais de finir très rapidement l'isolation jusque là où il se doit, de façon à ce que la chaleur soit complètement isolée partout. Mais pas perdre de temps non plus en isolant un endroit inutile. Ceci dit, on va commencer à se pencher, maintenant qu'on s'est penché sur le problème de la base, de l'oxygène. L'oxygène, c'est résolu. Les brochettes, c'est un plus maintenant. Ça leur remonte le moral régulièrement. On va maintenant passer à plus compliqué et beaucoup plus long, trouver une ressource de carburant alternative. Alors on n'a pas beaucoup de choix. On a ça me fait penser que j'ai pas fait les recherches, ce qui est problématique, mais on a encore du temps. On a actuellement, et ou même après sinon, de toute façon les panneaux solaires qui se mettent à la surface dans le vide. Alors le vide, c'est un petit peu compliqué à gérer pour l'instant. Le wood burner qui nous permet de brûler du bois, encore faudrait-il avoir une ferme. Alors une ferme à bois, c'est pas pour tout de suite. Le générateur manuel, alors on peut faire un champ de générateur manuel, ça peut marcher. Le générateur à hydrogène, alors attention à la fausse mauvaise idée, fausse bonne idée d'ailleurs. Vous voyez des grosses poches d'hydrogène un peu partout. Alors là par contre on a de l'eau salée, ça me plaît. Mais des grosses poches d'hydrogène, vous voyez, hop, ici. Sauf que c'est pas des grosses poches d'hydrogène, c'est 1 kg à chaque fois. Quand je clique sur du charbon, ici vous avez 673 kilos. Donc on est d'accord que en valeur énergétique, on peut aller regarder, hein, valeur énergétique, statut du charbon, 0,70 par gramme, 2,4, c'est 4 fois plus puissant. Donc quand on a 639 kilos de charbon, divisé par 4, c'est l'équivalent de 125 cases d'hydrogène. Donc, là, 1, 2, 3, 4, là, on a 45, voilà. Une case de charbon, c'est l'équivalent de 3 grosses poches comme ça. En production d'énergie. Là, on comprend tout de suite que ça n'a aucun intérêt. Alors, l'hydrogène, ça va être intéressant de l'utiliser, mais pas les poches comme ça. Les poches comme ça, elles ne représentent que très peu. Alors, aller les collecter et les ramener, on ne le fera pas. On le fera naturellement quand on creusera partout et que l'hydrogène va remonter au nord, en haut de la base. Il sera récupéré par des filtres en fait. Donc on va partir en bas. Parce que le solaire, c'est pas intéressant. Le bois, on peut pas le faire. L'hydrogène, on ne peut pas non plus. Il nous reste plus que le pétrole. Et c'est ce qu'on va aller chercher, vous l'avez compris. On va donc faire un puits pour descendre chercher le pétrole. Alors quand je dis un puits, c'est vraiment un puits. C'est-à-dire qu'on va creuser à la verticale. Et on va se la jouer en mode charbon, tout ça, hein, parce qu'on va effectivement faire une... comment ça s'appelle? Pourquoi je le fais en aluminium maintenant? Je le fais pas en aluminium, lui.
Et on va effectivement faire des chambres dans lesquelles on va récupérer de l'oxygène pour pouvoir respirer régulièrement. Et on va faire aussi un collecteur qui va venir ici. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'en bas, il peut y avoir des trucs intéressants. Mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout. On peut avoir... quand on va creuser là, notre puits, on va creuser sur 4 de large. Tout va tomber au fond. Mais on va pas prendre le temps de tout remonter. On n'a pas que ça à faire. On veut creuser vite. Donc, à ce moment-là, on pourra mettre un Swiffer qui remontera tout lui-même. Et si on trouve des mines, du charbon ou des trucs comme ça sur les côtés, on n'aura qu'à tout pousser en bas et on pourra le remonter automatiquement avec le Swiffer à la fin. De plus, on y va pour chercher du pétrole. Le pétrole, il va être à une certaine température. Ah, faut que je passe en anglais. Le pétrole, il va être à une certaine température, mais rien ne prouve que, en le remontant, il ne se rafraîchisse pas, il ne soit pas donc congelé. Je ne sais pas à quelle température est congelé le pétrole. On le saura bientôt parce qu'on aura des petites bêtes qui mourront probablement très rapidement, mais qui vont proposer du pétrole. Mais si ça, il faudrait pas que le pétrole gèle en remontant. Donc, on va faire une canalisation pour remonter notre pétrole. On va la faire en isolant, tout simplement. Et on va la remonter, je pense, à peu près ici, vers là où actuellement on traite l'énergie. La dernière chose, bien entendu, c'est que l'échelle ne suffira pas pour que ça aille vite, voire même très vite. On va utiliser ça. Voilà. Et on va pas toucher les bords. Et on fera à certains endroits eh ben, des salles pour respirer de l'oxygène. Alors comment on va le faire? Eh ben, il nous faudra de l'énergie. On est parti. On va donc faire un... Comment ça s'appelle? Hop là. Alors là, c'est un peu spécifique ce que je vais faire. Ne vous étonnez pas que je le fasse bizarrement. Ah ouais, mais là, ça m'embête de le sortir par là, lui. Une plaque d'énergie dans l'isolation, ça va faire mal. Ça va être violent. Non, bah on va y aller par deux. Je sais ce qu'on va faire en fait. On va tirer deux câbles. On va mettre deux générateurs ici. On y va. Sauf qu'après, il y aura quand même un l'arrivée se fera quand même par là. Ok, et on va quand même avoir besoin de... Là, c'est ça, donc de mettre ici notre plaque. Ok, et là, la plaque de jonction. Oh. Parce qu'on admettra que plus tard, il y aura une plaque de jonction ici. Et moi, je vais en mettre une ici, mais j'aime pas quand les deux plaques se chevauchent comme ça, quand elles arrivent au même endroit. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il ne veut pas le faire. Voilà. Donc, je vais être obligé de la mettre plus bas. Je vais la mettre ici. Quoi que ça va poser problème. Je vais la mettre donc ici. Voilà. Et bien entendu, avant de faire tout ça, il faut tirer l'énergie comme ça jusqu'au bout. Là, on la monte dans le générateur et on va au suivant. Le gros transfo électrique, il est là. Et l'autre, il est là. Et ensuite, on va tirer les petits câbles. Et les petits câbles, eh ben en fait... Celui-là, on va le tirer là. C'est celui qui normalement devrait aller là, hein, tout simplement. Hein. Ici, on va casser tout ce qui est électrique là. Merci. Voilà. C'est parti. Donc on va tirer deux câbles électriques vers le bas. Une fois qu'il va arriver là, celui-là, on va le faire passer sur le... Comme ça, avec 4000, on aura probablement assez. En même temps, on ne produit pas 4000, hein, donc il n'y a pas non plus de stress à avoir. Mais l'idée, c'est de pouvoir produire plus que 4000. Et je veux pas être obligé de tout refaire mon setting. Alors le deuxième cap, je pense que je vais pas le descendre. Il sera prêt. Il sera là. Je vais l'amener là.
Et je veux pas le descendre. Ça, c'est bête ce que je suis en train de faire. Arrête tes bêtises. Même ça, c'était bête déjà. C'est pour dire. Hein. Et ça, annule la démolition. Alors, en même temps, on continue à travailler un petit peu sur cette pièce. Donc, sur cette pièce, le premier truc qu'on doit avoir faire, c'est creuser et ensuite déplacer tout. Et je dirais même plus, l'idée, ça serait carrément de passer par là, en fait. Donc, on va finir ça. Jusqu'en bas. D'ailleurs, oui, on va voir. Sûrement pas là. Et probablement, oui. Ok. Là, c'est une échelle en quoi? C'est la bonne échelle. D'accord. Là, je peux pas construire parce qu'il y a déjà une échelle. Ok. Pas logique. Voilà, hop. Voilà. Et on a un autre problème, c'est qu'on a de la glace dans notre base et qu'il faudrait la ramasser pour l'amener là. Il va falloir toute la creuser et la transporter. Et d'une façon prioritaire. Mais ça passe après l'isolation de ça, je pense. Parce qu'elle dégage pas tant de froid que ça. Elle dégage finalement pas beaucoup plus de froid que les matériaux qui sont à côté. Simplement, elle contribue à les refroidir. Très bien. Ça, ça a été fait. Hop là. Hop, la barre de pompier, la petite dalle qui va bien, les petites dalles grillagées, tac tac. Et ici, on a la même chose. Voilà. On a 6 ici. Pourquoi on a 6? Ah, parce qu'il y a 2 là. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il y avait une sous-couche ici. Ok. Bah, je préfère autant dans ce cas-là utiliser ma sous-couche. Hein. Alors ça, c'est pas très grave de faire ça. Pourquoi c'est pas très grave? C'est pas un temps infini. C'est les mêmes ressources qui vont tomber là, qui vont être réutilisées juste au-dessus. Donc au final... C'est juste une très légère perte de temps. Mais c'est pas un drame structurel, on va dire. Par contre, faut que je... Voilà. Et donc là, bien entendu, ce n'est pas ça qu'il va falloir faire. C'est ça. Et là, de la même façon, je vais devoir démolir tout ça. On n'a plus rien à faire là, c'est par là qu'on va passer. Très bien, on en est où? Bah ici, ça a été construit, c'est propre, il n'y a rien qui traîne par terre. On va demander de faire les dalles. 1, 2, 3, 4, et ça devrait être fonctionnel. Mon câble énergétique, il est fait, tout à fait. Par contre, j'ai pas fait mes ponts. Ok. Et je n'ai pas tiré le câble non plus qui va en bas. Jusqu'ici.
Et là, visiblement, ça n'a pas été nettoyé. Parfait. Alors là, par contre, vous voyez, il faudrait pour que ce soit propre que je l'amène jusque là-bas. Ça fonctionne pas. Trop long, trop dur. Par contre, ce que je peux faire facilement, c'est relier ici. Que ça partira après dans l'autre direction. Et relier ici, bien entendu. Et là, on va ramasser uniquement. Et démolir. Ah oui, alors là, il y a un problème si je fais ça. Non. Non, pas trop grave. Hop, on va mettre en 7. Donc alors là, je fais vraiment juste les travaux préparatifs. Hein, je ne ferai pas le centre lui-même qui est très 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 coûteux. Parce que la priorité, c'est ça. Simplement, ils ont déjà du travail ici. Donc pour l'instant, je les laisse bosser. Je vais juste vérifier qu'ils en aient toujours. Mais voilà, on va l'amener jusqu'ici. On n'ira pas plus loin, on n'aura pas besoin des deux. Quoiqu'à la rigueur, je ferais mieux d'utiliser celui qui va vers le bas. Parce que celui-là, il pourrait être plus utile en haut. Pour alimenter ça, par exemple. Quoique non. Parce que si j'alimente en haut, après, il servira à rien en bas. Je vais laisser ça comme ça. Je peux toujours ouvrir, en faire un autre et relier. De toute façon, cette fonctionnement de base, hein, avec l'avancée ici électrique, il est reproductible, en fait, on avance toujours de la même façon. Hein. À la base, c'est 3 x 13 escaliers rampes, 3 x 13 escaliers rampes, et 13, ça fait des salles de 64-65. Si je le coupe en deux, ça fait deux salles de 96, et justement, vous voyez, les salles, celle-là, il faut qu'elles se fassent entre 12 et 64, 12-64, 32 à 120, donc deux salles. 12-64, c'est une, 12-96, c'est une et demie, etc. Alors là, ça marche pas tout simplement parce qu'il faut de l'eau. Donc ça, je peux le virer. Hein. Ça sert à rien, là, on perd notre temps avec lui. Il a de l'algue, mais il n'aura jamais d'eau, donc... Ok, là, ça m'a l'air parfaitement fonctionnel. On a l'électricité qui arrive ici, donc on est prêt à descendre dans le prochain épisode. Ici, là, on n'a pas tout à fait tout démonté. Mais on est déjà pas mal parti. Hein. J'aimerais bien qu'on fasse ça, là. Hop. Alors ça, normalement, les oxygénateurs, ils sont à 1. Ils n'ont pas besoin d'être au-delà. Vu que c'est le... Comment ça s'appelle? C'est le coffre que l'on approvisionne, bien entendu. 1, 2, 3. Bah, ça tombe bien. L'énergie vient là. 1, 2, 3. L'énergie vient là. Ici, il y a un petit carré. Hop là. On va aussi démolir ceci. Et... Comme le lit a été fait, on va pouvoir faire ça. J'ai un doute sur le fait qu'on puisse aller là-bas pour faire celle-là. Je pense qu'on n'arrivera pas à faire celle-là. À part démonter ici et descendre. On pourrait faire celle-là, celle-là. On va démonter ça.
Ouais, on va démonter celle-là. Voilà. Hop. Hop. Là, c'est pareil, il faut démolir maintenant ces choses-là. Bon, et puis on va s'arrêter là. Donc, on est en train de créer les salles, créer cette salle-là, créer doucement cette salle-là qui va descendre jusque-là. Après, on l'améliorera, bien entendu, petit à petit, on la mettra en place, les échelles, après les petites dalles grillagées. On va aussi faire quelque chose d'assez spécial. On va favoriser, vous voyez, il y a plein d'aluminium ici. On va faire un échelle. On va aller tout droit là, ici. Et puis on va le faire tomber pour qu'il soit accessible très rapidement par un coffre ici. Et je pense même que je vais tirer un petit câble de Swiffer qui va aller. Qui va ramener. Même pas un câble de Swiffer, même pas un Swiffer, juste un coffre. Un coffre dans lequel on pourra ranger l'abyssalite ici. Je pense. Ouais, si plusieurs coffres, on pourra le ranger. Et puis un Swiffer qui remplira pour l'envoyer. Parce qu'ils vont mettre très longtemps à aller chercher tout cet aluminium et on en a vraiment besoin pour faire ça. Donc je pense qu'on va faire la petite mine là vite fait au début du prochain épisode tout en finissant ce petit coin-là et en continuant à descendre. L'isolation de la base, là pour moi, elle est faite la ferme. Il y a juste un petit peu de temps à attendre et dès qu'ils ont aucune tâche prioritaire ailleurs, hop, ils vont se précipiter pour la faire. Comme vous pouvez le voir, il nous reste 70 kg de charbon. Je ne parle pas de tonnes, hein. 70 kg de charbon, c'est-à-dire que c'est la coupure complète d'énergie bientôt. Donc, on va devoir creuser pour aller en chercher quand même, parce qu'on n'arrivera pas à tenir de toute façon. On n'aura même pas de quoi démarrer les pompes. On a une vraie crise du charbon, hein. Il part à toute vitesse. Il part à toute vitesse et on a. C'est pas qu'on n'en a pas, c'est que c'est des petites quantités par rapport à ce qu'on a besoin en réalité. Et c'est long de les ramener à la main, un par un, etc. Donc voilà, on va continuer à fonctionner comme ça tout en prévoyant d'ici, on va dire, 8-9 épisodes peut-être, un tout fonctionnant au pétrole. Pétrole qui est en ressources limitées. Mais la différence entre le pétrole et le charbon, c'est qu'on peut faire bouger le pétrole puisqu'il est liquide. Il y a moyen, par des tunnels, des chutes, d'attirer le pétrole vers un réservoir un petit peu plus profond que les autres et qui pompe le pétrole, en fait, tout simplement. Voilà. Et même en mettant à l'horizontale, eh ben, la pompe, elle fera quasiment le boulot jusqu'à ce qu'on puisse éponger les dernières gouttes sur toute la largeur. Voilà. Donc, il est beaucoup plus facile à ramener que le charbon qui, lui, va être dispersé. Et à part la chute verticale où il retombe au sol, il n'y a pas grand-chose à faire. Je vous remercie d'avoir regardé. À tout de suite pour la suite.